Et hey, coucou, hey, coucou les licornes! Plein de façons de dire. Et hey, Un carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 85, si je ne dis pas du petit, sur 365. Ladies and gentlemen, welcome to boat. Je sur les voyages. Bon. Plusieurs partages today. Nous sommes samedi 30 septembre, le dernier jour du mois de septembre. Voilà, demain octobre. Welcome to october. Je m'entraîne en anglais parce que je suis vraiment la Rama. C'est euh, euh, là, je me dis, c'est aussi, c'est plus possible. De, 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 voilà. Alors, soit <coughs> j'évolue suffisamment euh, pour euh, aller télécharger l'anglais et savoir le parler sans effort. <coughs> je suis convaincue que c'est possible, mais ça demande quand même d'aller alléger des croyances en soi, hein. c'est clair. Le, euh, Sophie, tu peux parler la langue que tu veux, il suffit d'aller euh, télécharger euh, le, le logiciel correspondant euh, pour ça. Mmh. Ok. Voilà. Donc, euh, ça va processer tout ça sur, euh, sur euh, les, les possibilités de de pouvoir parler une langue étrangère sans l'apprendre. Mais je sais, je sais tellement que c'est possible, je sais tellement que c'est possible. Euh, voilà, il y a tellement de possibilités, en fait, et ça ça demande vraiment de venir euh, désinguer des, des croyances qui sont là, qui nous empêchent d'accéder à tellement de choses sur cette planète Terre, en fait. Voilà, mais bon, pas après pas. Hein, euh, voilà. Euh, je vais le demander, tiens, je n'ai pas demandé. Je vais, je vais faire my demand of the universe euh, de pouvoir euh, parler anglais euh, cette année avec euh, grande légèreté et grande fluidité euh, pour, euh, pour notre voyage à venir. Voilà. Euh... Pourquoi il est là, le lama? Alors, c'est Lama de Fortnite. Il est beau. Hein? J'adore. Mais je l'adore. En violet et tout. Lui, il vient avec moi en Amérique du Sud. Mm, ouais. Lui, normalement, il est dans le camping-car. Voilà. Il est beau. Hein? Euh, ça y est. Ça y est, nous avons signé. Nous, nous sommes dans l'acquisition de notre maison roulante. Euh, nous n'avons pas euh, du tout les informations par rapport au chipping. Chiping. Euh, mais je suis confiante. <laughs> je suis confiante. Et puis, je disais à Arnaud, mais en fait, pourquoi il ne pourrait pas aller en Amérique du Sud, ce camping-car Je veux dire, euh, en plus, le chipping, ça se réserve trois mois à l'avance euh, nous, on est vraiment en avance. Pourquoi ça ne pourrait pas se faire, en fait Je lui ai dit, bon, par contre, le camping-car que, que nous avons trouvé, dont nous avons besoin, <laughs> bon, il n'y en a qu'un seul, en fait. Donc, euh, voilà. Du coup, ça a processé en lui. Et puis, euh, tout à l'heure, il me dit, euh, de quoi il y a besoin, en fait On en est où là par rapport au camping-car je dis ben bah, écoute, on en est que moi j'attends, enfin euh, c'est toi quoi, hein, euh, et il y a besoin de quoi, tout ça. Enfin bref. Donc du coup on a appelé le vendeur, le vendeur à Toulouse. Et puis euh, du coup bah ça y est, euh, voilà, on a passé pas mal de temps avec lui au téléphone. Et puis euh, du coup euh, voilà ça y est, ça y est, ça y est, euh, ça y est, le, le camping-car est nous est réservé, le camping-car est pour nous. Euh, voilà, euh, tout est fluide, tout est fluide, tout est fluide. Voilà, c'en est, est même euh, euh, déconcertant tellement c'est fluide en fait. Hein, mais ça c'est le, le plateau de jeu de niveau 5 de Mario. Voilà, donc euh, c'est je vous invite à venir y jouer dessus. Hein, c'est plus rien à voir. Voilà, tout est fluide, tout tout est fluide. Voilà. Euh, et alors figurez-vous que par rapport à ce camping-car quand même. Euh, et là je me disais mais Sophie quand même c'est incredible. Euh, on regarde pour un crédit, en fait. Et, euh, et il nous annonce les taux de sociétés de financement. Et euh, moi, je, je navigue. Voilà, je fais ma petite recherche sur Internet. ce qui disait, euh, les taux, de toute façon, c'est à 6,82. OK. Alors, du coup, je fais, euh, je regarde très rapidement sur Internet. Je tombe sur une simulation d'une banque, euh, Société Générale. Et là, euh, en fait, euh, je dis à Arnaud, oh bah, écoute, euh, moi, j'en ai trouvé un à, à 5, 24 ans tôt. Et euh, par contre, ça s'est plafonné hein, en termes de délai. Euh, parce que dans camping-car, on peut faire un crédit jusqu'à 13 ans. Nous, on a dit, oh, bah, ça fait long, 13 ans, on va pas prendre 13 ans quand même. Et, euh, et en fait, c'était 84 mois. Alors moi, du coup, je dis, OK, 84 mois, ça fait combien en année Alors, je divise par 12 et là, je fais 7. <laughs> là, je dis, oh, bah, quand même, Sophie... Hein. Oui, c'est un truc de dingue. Ce 7, ce 7, ce 7 qui est autour de toi, là. Voilà, encore dans l'assurance, dans le, dans le financement, le 7, encore le 7. Bon, bah, ben d'accord, euh, ok, bon, bah, ben voilà, euh, voilà. En plus, on connaît bien la banque, la Société Générale, du coup, euh, voilà. Bon, ben bref, tout ça, c'est les petites anecdotes, mais vous voyez, qui font des, qui vont faire des, 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 des pop-up des, des ok c'est tellement ça vous voyez ça fait toucher les évidences les prises de conscience ça soutient, on est confiant tout ça, enfin bref voilà euh... oui je voulais vous partager aussi par rapport au corps le corps euh, donc j'ai <laughs> j'ai beaucoup de tout et euh, de, de... t'as mieux le nez là, t'as mieux mais là, tout, voilà, je continue à tousser. Et puis ce matin, j'étais dans ma douche. Et là, il y a l'information qui vient, qui dit, « Hey Sophie, euh, tu ne serais pas en train de soutenir Milo, là, dans, dans, ton, dans, dans sa purge ?»« euh, ouais, ça me parle, ça. »« euh, Bah, du coup, ça veut dire que tu ne crois pas qu'il a les ressources euh, pour purger tout seul ?»« Ah ouais, ce n'est pas faux, hein. Et t'aurais pas annoncé de culpabilité euh, parce que, en fait, euh, inconsciemment, tu crois que c'est de ta faute tout ce qui s'est vécu. Alors, du coup, tu purges pour lui. Ouais oh, bah, Je dis, bah, ça fait sens, ça, quand même. C'est tellement ça, en fait. Et euh, je dis, ah, bah, ouais. Ah, bah, ouais. Alors, donc, tout à l'heure, euh, j'étais sur mon transat, là, en soleil, à prendre le code solaire. Et puis, euh, je dis, tiens, allez, euh, je vais aller, parce que je ne l'avais pas encore fait, hein. c'était juste ça le matin, mais euh, voilà, à 17h, c'était toujours pas fait. Je n'avais pas, pas, pas lâché Milo, en fait. <laughs> et euh, du coup, je, 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 je vais naviguer, tout ça, je vais regarder, et euh, en effet, hein, je, <laughs> Milo était bien là. Hein. On se voyait dans le cosmos, tous les deux. Enfin, euh, euh, ce n'est pas dans le cosmos, on était dans le ciel, tout ça, et puis moi, je le tenais, en fait. <laughs> C'est bon, la le tu vois mieux se passer. Alors, alors, du coup, je dis euh, bon, d'accord, je coupe euh, et je lâche. Et alors là, je vois Milo. Vous savez, c'est comme un parachute là. Quand on est jeté du, du on est projeté de, de l'hélicoptère ou de l'avion, hein, Et en fait, d'un coup, on descend d'un coup. Et en fait, à un moment donné, il euh, y a un, bah, ben, il y a notre parachute qui s'ouvre et du coup, ça remonte. Et voilà ben là, ça faisait pareil, en fait. Milo, il est parti d'un coup. J'ai fait, oh là là, là, là là il va loin là. Puis en fait, c'est. Alors, oui <coughs> ce n'était pas un parachute. C'était assez rigolo. En fait, c'était comme s'il se gonflait d'hélium, en fait. Il, il, il devenait une. Il devenait. Euh... Je voyais Milo qui, 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 qui était un gros ballon, en fait. Et il flottait là, dans l'air. Et, et puis voilà, bah, ça, y est, ça y est, Milo, ça y est, il est en autonomie. Ça y est, Milo, il... je lui redonne sa souveraineté. Je, je le lâche et. Et euh, et puis euh, bah du coup je vais moi plus être euh, euh, à tousser comme je tousse puisque euh, ça ça ne m'appartenait pas et que j'étais là en, en soutien pour mon fils chéri d'amour euh, de pouvoir purger pour pouvoir le soutenir dans sa purge euh, mais comme il est hors de question que je lui enlève sa souveraineté et que euh, je sais que chacun de chaque humain, de chaque humain, de chaque humain, a les ressources et les capacités pour dépasser l'expérience qu'il est en train de vivre. Et que là, en effet, bah, cette semaine, c'est des purges. et Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être évacuées. Du coup, bah, je viens remettre la couronne à Milo. Voilà, Milo, je te redonne ma souveraineté. Enfin, je te redonne ta souveraineté. Et quand je dis ça, qui sait qui passe Malice. Voilà. Elle fait hey coucou. Regarde le Yin. Moi aussi, je reprends ma souveraineté. Bon, bref. Donc, euh, voilà. On remet la couronne, hein, les licornes. Deux, on, on reprend sa souveraineté, on redonne surtout la souveraineté aux autres. Hein. Voilà, ça va dans les deux sens, en fait. Euh, voilà, c'est parce qu'à un moment donné, ça demande de. Vous savez, c'est comme le, le discernement. Le discernement, euh, eh bien, oui, ça, ça me cale à ça. Ce matin, euh, j'ai revu une copine à la salle de sport que je pas vue, euh, je pense. Au début, elle me dit 3 ans. Je dis mais c'est pas possible, Muriel. Ça fait pas 3 ans qu'on ne s'est pas vu Donc ça devait être peut-être 2 ans, je ne sais plus. Ça passe tellement vite. Et euh, on parlait de nos enfants et elle parlait des, des influenceuses <coughs> et que euh, on est influencé en fait par euh, quelqu'un et que du coup on va acheter des choses, des vêtements, des accessoires, des machins euh, parce que ça fait bien de les porter. Et euh, c'est vrai en effet bah, dans ces cas-là on n'a pas de discernement. Et ça j'en ai déjà parlé de ces histoires d'influence. Extérieur. Euh, nous sommes de toute façon des humains où nous sommes dans une construction où, euh, ben oui, on, on, on est soumis à des codes sociétaux, euh, mais soumis parce qu'on s'y est soumis, hein, ces personnes nous, nous y soumettent. Euh, très rapidement à l'école et puis par notre construction euh, d'éducation parentale et autres et puis globale de, 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 des codes sociétaux. Euh, en fait, bah, très vite, on nous enlève notre souveraineté, très vite, on n’a pas. On n'a pas cette facilité d'expression et de pouvoir exprimer à partir de qui on est. On ne vient pas découvrir nos talents puisque, euh, eh bien au contraire, on doit se soumettre. On, il, y a, il y a un carré, là c'est le carré pour tout le monde, c'est le cube. Et que euh, nous soyons un triangle, un rond, euh, une étoile, enfin on a tous des formes géométriques différentes, eh bien tout le monde doit rentrer dans le carré euh, par, la, par la porte, par la fenêtre, comme vous voulez. mais... On vient faire entrer tout le monde dans ce cube. Et euh, ben forcément, ben, nous on devient un cube. <laughs> on devient un cube. Mais sauf que c'est pas qui on est. Nous ne sommes pas un cube. Nous sommes, nous sommes tellement, euh, tellement différents en fait. Euh, voilà. Euh, euh, chacun a une forme géométrique euh, sacrée. C'est géométrie sacrée du reste, euh, sacrée et unique. Euh, voilà. J'ai dit avant que ça va trop vite en fait. <laughs> J'ai dit euh, géométrie sacrée avant que. Bref. Tac tac tac. Euh, et du coup. On est euh, dans ce chemin de, de retour à, à son être, euh, à sa source, à son être euh, originel. Euh, nous venons euh, sortir un petit à petit de, de ce cube dans lequel on est bien enfermé, voilà. Et c'est vrai que l'école, est eh bien, ça met dans un cube. Bon, sauf que euh, la bonne nouvelle, euh, parce qu'on va se dire, <coughs> j'entends des parents déjà qui disent ou des grands parents qui disent. Oui, mais Sophie, euh, tu te rends compte, nous, tout le boulot qu'on fait sur nous pour se défaire et déconstruire euh, tout ce qui s'est passé dans notre enfance euh, et à l'école et tout. Alors nos enfants, il faudra qu'ils fassent tout ça. Non, pas du tout. Non, parce que nos enfants, en fait, euh, nos enfants et puis nos, nos, nos adolescents, nos jeunes adultes, etc. En fait, ils ont une autre structure énergétique que la nôtre. Ils ont une, une autre structure globale de l'être. Et eux, en fait, sont déjà câblés euh, nouveau monde, nouvelle terre, nouvelle humanité. Euh, donc, du coup, ils n'auront pas à défaire euh, tout ce qu'on a à défaire. Euh, voilà, nous, ne sommes pas les mêmes. Euh, les mêmes vagues d'âme, en fait. Hein. Euh, ça me fait penser aux trois vagues de Dolores de, de, Canon, les trois vagues de volontaires, que j'ai jamais lues, du reste. Mais c'est vraiment ça où ça faisait des... De, de ce que j'ai pu comprendre de, de, de résumer c'était des, des tro les trois vagues de volontaires qui sont venues pour euh, la nouvelle humanité et bon bah là il y en a pas trois il y en a plein et euh, à partir de là bah en effet chaque vague euh, donc c'est chaque pour moi euh, tranche d'âge c'est vraiment pour moi enfin de mon regard de ce que j'ai pu constater c'est ça par tranche d'âge, en fait. Euh, nous avons des calibrages très précis euh, pour euh, venir vivre des choses très précises et contribuer à l'humanité d'une façon très précise, euh, mais par rapport à un certain calibrage. Donc le nôtre euh, sur les 40-60 euh, n'est pas du tout le même que sur. Euh, 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 les euh, 20-30 que sur les, euh, les, les bébés, là, que sur les enfants. Enfin bref, on est tous calibrés différemment. Donc pas d'inquiétude. Nos enfants, eux, euh, ils s'adaptent très très bien, en fait, euh, au système. Il hein, n'y a pas de souci. Euh, et eux, ils sont déjà branchés sur euh, demain. Voilà. donc euh, euh, tout, tout ce qui se passe au point de vue scolaire. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on entend beaucoup et de plus en plus, et ce qui est normal, parce que ça fait partie des, des, des effondrements euh, euh, qui vont se faire euh, bah, par conséquence naturelle. En fait, ça fait partie des piliers, euh, euh, l'éducation euh, nationale qui va s'effondrer puisqu'elle est complètement obsolète et surtout, elle vient enfermer l'humain. Aujourd'hui, euh, euh, pourquoi ça bug dans tous les sens euh, Parce que euh, nous n'avons pas découvert nos talents, tous, euh, donc certains les ont découverts et puis d'autres en fait ils, ils ne savent même pas quand on demande. Euh, moi l'autre fois une copine je dis mais c'est quoi ton kiff en fait c'est quoi ta zone de génie c'est quoi euh, c'est quoi tes talents et elle me disait mais bah, je ne sais pas voilà et elle avait cinq euh, ans ans et bien oui et c'est complètement évident parce que ben euh, euh, je veux dire, ça demande euh, soit d'épurer son être, euh, soit ben, on l'a trouvé à un moment donné, mais trouver sa zone de génie, euh, savoir c'est quoi mes talents, euh, ben, à un moment donné, euh, c'est d'aller euh, en enlever des couches parce que si on ne l'a pas encore découvert, euh, c'est tout simplement parce que, euh, ben, parce que déjà, ce n'était pas le moment hein, si on va vraiment au toit, toit, à, au toit terrasse euh, euh, au niveau du jeu. Euh, voilà chaque chose en son temps quand on doit quand on est là euh, voilà quand c'est le moment de découvrir nos talents bah ils se découvrent et tous ces enfants ados, jeunes adultes euh, voilà qui sont là je ne sais pas ce que je veux faire dans la vie ou qui vont dire par exemple je ne sais pas euh, je veux être, euh, je veux être esthéticienne et alors là les parents ils disent oh, mais ça va pas bien la tête mais tu te rends compte euh, euh, ça va pas être facile et puis tu vas peut-être pas gagner ta vie tout ça donc il y a encore ce, beaucoup de parents en fait ce qui se passe c'est qu'il y a beaucoup de parents qui se projettent sur leurs enfants donc c'est euh, euh, quand les parents sont dans, dans dans, dans l'hyper-contrôle et, et à dire, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ces études, il faut que tu fasses un bac plus 5, machin, tout ça. Bon, bah, forcément, c'est le, les parents, en fait, hein, c'est les parents, en fait, là, qui sont en train de, de parler pour leurs enfants, des, des choses, euh, c'est des révélateurs de l'adulte à travers l'enfant, en fait. Euh, voilà, et donc, euh, aujourd'hui, on est dans un gros boulgui-boulga qui va être de plus en plus un boulgui-boulga, euh, pour certaines personnes, hein, pas pour tout le monde, bien évidemment. Euh, et à partir de là, et eh bien, euh, en effet, l'enfant, bah, c'est de se positionner quoi qu'il en soit pour ne plus être influencé par l'extérieur. Euh, et puis ben, si en effet l'école ce qui est évident, l'école ne vient pas euh, ne permet pas de découvrir ses talents hein, puisque l'école c'est euh, maths, anglais, euh, français euh, histoire géo euh, bon alors c'est assez réduit je veux dire euh, voilà à part d'être pour leur être euh, euh, je veux dire prof d'histoire géo ou je sais pas euh, ou peut-être oui euh, peut-être va savoir archéologue hein, par l'histoire géo j'en sais rien des fois on peut découvrir des talents comme ça mais enfin, on veut dire qu'en général les talents c'est beaucoup plus profond c'est euh, les, les zones de génie euh, c'est des choses euh, c'est des choses qui qui, qui sont pas euh, étudiées à l'école ou révélées hein. au contraire ça, ça nous voilà euh, et puis on active beaucoup le, le tes évaluations définissent qui tu es euh, voilà donc tu, tu es un cancre là tu es un cancre euh, tu es nul euh, voilà moi je me rappellerai toujours mon BTS où euh, euh, j'avais euh, euh, j'ai fait un BTS et pendant les deux ans, j'étais vraiment une cancre. Hein, vraiment, quand il y avait des contrôles de quatre heures, je n'y allais pas. Je, je, je restais quatre heures dans un bar. Euh, voilà. Moi, j'étais vraiment la fumiste. Hein, et puis vraiment, les profs m'avaient vraiment mis l'étiquette de fumiste, de cancre, etc. Euh, mais c'était ok pour moi. En fait, j'en avais tellement rien à foutre à l'époque. Et euh, quand j'ai passé mon, mon, mon diplôme, mon examen, en fait, ben, moi, j'étais très très bonne à l'oral. J'avais pas de, j'ai pas de stress, en fait. Euh, voilà. Et euh, du coup, ben, j'ai eu mon BTS parce que l'oral m'a permis de l'avoir. Euh, S'il n'y avait pas l'oral, euh, je n'aurais pas eu mon BTS. Hein. Et euh, parce que, autant dire que ce qui a été appris à l'école, euh, bon, ce n'était pas mon truc d'apprendre. Et, euh, et puis, euh, du, les profs ont dit, ben, Sophie, tu n'aurais jamais dû avoir ton BTS, tu ne le méritais pas. Et ils étaient très en colère parce qu'il y avait des élèves qui ont super bien travaillé, qui étaient des super bons élèves, et qui, eux, n'ont pas eu leur BTS euh, bah parce qu'ils ont eu la, le trouillomètre euh, pour les examens. Et du coup, ils ont échoué euh, leur euh, diplôme. Bon, bref. Tout ça pour dire que euh, aujourd'hui on est en effet. Euh, euh, on vient en sortir de de ses de influences extérieures et ça c'est tout un chemin tout un process euh, parce que nous sommes en permanence influencés partout et euh, à un moment donné en fait eh bien et eh bien ça n'existe plus puisque nous venons retrouver parce que c'est notre essence d'être en discernement et c'est un discernement global de l'être euh, voilà c'est pas par rapport à des connaissances mentales c'est pas par rapport à certains fonctionnements machin non, au contraire plus plus tu es pur et plus ce discernement devient évidence et puis tout tes sens extra sens se déploient euh, et du coup tu, tu, tu es dans le discernement parce que tu captes en fait naturellement ce qui est ok, ce qui est pas ok, ce qui est juste pour toi, ce qui n'est pas juste pour toi. Et par rapport à ça, en fait, euh, aujourd'hui je tombe sur euh, plein de... Euh, je scrollais un petit peu, je scrollais Facebook, euh, maintenant que ça me un peu plus. Donc je scrollais. Et puis, je tombe sur des... quelqu'un que j'aime beaucoup, que je découvre, qui, qui partage son regard sur le business. Et, euh, et puis, je, je, je regardais aussi quelqu'un que je suivais depuis ça fait des années que je la suivais. Bon, je ne la suis plus, mais je regardais un de ses postes. Elle parlait de la concurrence. Et euh, en fait, euh, euh, en toute humilité, euh, J'observais je, je, que je, je suis tellement plus, je suis tellement plus, <laughs> aujourd'hui, euh, dans, dans, dans toutes ces configurations qui peuvent être, euh, ça n'existe plus en fait en moi, il euh, n'y euh, a plus de, euh, euh, comment partager ça, toutes ces notions en fait du niveau 3 et du niveau 4 de Mario, ça n'existe plus en fait. Parce que donc j'ai déprogrammé, j'ai réparé, j'ai déconstruit, etc. J'ai épuré, épuré, épuré. Et en fait, à un moment donné, on n'est plus dans ce monde. En fait, ça n'existe plus. On ne le vit plus. On ne le vibre plus. Et on, on vient créer. En fait, à travers nous, se crée une nouvelle réalité puisqu'on vibre autrement. On est sur des fréquences euh, qui sont de plus en plus élevées. Et on vient observer. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu, des fois, perturbant, dans le sens où on se dit, euh, merde, il euh, n'y euh, bah, a plus grand monde, en fait, qui, avec, qui, euh, 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 avec qui... Avec qui... Où, où, où on se comprend totalement, où on peut vraiment euh, euh, faire un échange à partir d'une nouvelle configuration humaine. Et c'est ok, mais c'était presse, tout à l'heure je me disais euh, c'est incroyable en fait euh, parce que ça vous fait euh, pas une séparation mais il euh, y a en effet plusieurs réalités qui se juxtaposent, vraiment et on le vit en fait on le vit pleinement alors sur plein de choses c'est complètement fluide et c'est facile et c... puis sur d'autres quand il y a comme ça euh, des regards euh, euh, sur des interrogations. Euh, euh, et là, par exemple, en l'occurrence, c'est sur un business euh, euh, parce que les personnes euh, se disaient, oui, moi, je suis vraiment euh, dans le, le trop, j'arrive pas à être dans l'équilibre, etc. Donc, c'est des fortes émotions et, que et machin, machin. Et donc, c'était d'accepter ça euh, et d'être bien avec ça. <coughs> donc, il, il se prenait un peu la tête, en fait, de, de, de bah oui, mais... Euh, Là, du coup, je ne suis pas en équilibre. <coughs> et c'est des, 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 des étapes, parce que, euh, en effet, euh, l'être humain, par construction telle qu'on l'a été, euh, nous sommes des êtres humains déséquilibrés. Des déséquilibrés dans le sens où, bah, euh, par exemple, masculin-féminin. Euh, ça part dans tous les sens, on peut, être, on peut avoir un côté triangle, très masculin, ou un côté au contraire trop, trop yin, etc. Et, et ce n'est pas de trop ou pas assez, c'est comme ça, c'est une observation aujourd'hui. Et en effet, quand on vient épurer son être et qu'on va dans les profondeurs de ses profondeurs, par conséquence naturelle, les, les, tout s'équilibre en fait, les, les, les polarités s'équilibrent. Et du coup, en effet, il n'y a plus ces déséquilibres et en émotion aussi. Et ça, je voulais régulièrement partager que, en fait, il n'y a plus ces émotions euh, très hautes ou très basses. Et euh, je vais vous partager ce qui s'est passé ce matin où, en effet, je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, oh, mais Sophie, il euh, y a encore quelques temps de ça, ça aurait été, euh, tu aurais été complètement excitée, euh, tu aurais, euh, aurais été dans des émotions très fortes, etc. Et en fait, donc, je me suis réveillée ce matin. Donc j'ai fait une nuit, j'ai tracé de 23h à 7h non-stop, alors que je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, j'ai une copine, en discutait, elle me dit, ah, bah moi, à partir de 2h du matin, ça a été, euh, ça a été euh, la totale, J'arrivais pas à dormir, etc. Ça a été hyper inconfortable. <coughs> et je me réveille, et là, on m'a infusé une idée, hein, parce que les idées, on, on croit que c'est nous. Ah, oh, j'ai une idée, machin. Mm -hmm. Les idées, en fait, il y en a partout. Et puis, ben, quand c'est pour toi, que c'est qu'il y a l'espace disponible, que ça matche avec toi, hop, et eh ben, on, on vient, ben, l'idée, euh, en fait, euh, s'infuse. Et là, euh, je me réveille avec un truc. Je me dis, oh, oh non, mais ça c'est génial. Et euh, l'idée, je vais vous la partager parce que je la trouve géniale. Euh, ça reste une idée, ça reste un, une, une éventualité, euh, mais j'ai trouvé ça génial. Donc, en fait. Ce qui s'est euh, proposé, euh, c'est de créer un, un, un... comme un magazine. Vous savez, on achète euh, Happiness, on achète Flo, on achète euh, Biba, on achète Voici, on achète des magazines, OK Des magazines, euh, Pleine Santé, enfin voilà, il y en a des blindes, euh, selon bah, ce qu'on recherche. Et ces magazines, eh ben, il va y avoir des, des sources d'informations, euh, il va y avoir, euh, pourquoi pas, des tips qui vont nous aider, etc. Euh, beaucoup d'influence <laughs> aussi, mais c'est OK. Et, euh, mais les gens vont payer pour euh, aller acheter un magazine pour y trouver des, des ressources ou des informations, ou euh, bah, j'aime bien lire ça sur le yoga ou sur ceci ou sur cela. Donc, bah, je, je vais payer ce magazine pour ça. Eh bien, moi, le concept, en fait, ce serait le même, sauf que euh, ce serait de créer quelque chose bah, qui n'existe pas, à savoir, alors, pas du tout un magazine papier parce que par rapport au projet, c'est très réducteur et ça ne colle pas avec le projet. Donc ce serait de créer un magazine en ligne, en fait, euh, où je regroupe un certain nombre d'acteurs 2.0, donc acteurs qui sont sur une nouvelle configuration humaine, et ensemble, avec tous nos talents respectifs, nos zones de génie respectifs, on vient amener du contenu, et du contenu sur la nouvelle Terre, sur la conscience expansée, sur les nouveaux projets. Donc chacun, hop, on vient apporter du contenu par nous, bah, ce qu'on sait faire, ce qui, nos zones des génies, on l'apporte. Contenu informationnel, contenu, euh, <coughs> contenu de tips, etc. À partir d'une conscience unifiée, donc il n'y a pas source d'influence, puisque bah, on monte au toit terrasse, donc euh, on n'est pas à partager à partir de, de croyances, de, de blessures, de machins, de bidules. Donc c'est un contenu vraiment euh, très qualitatif, et euh, ce qui me venait aussi, c'est euh, de pouvoir aller interviewer des gens, de pouvoir faire des podcasts, des vidéos, etc., sur, par exemple, des entrepreneurs euh, qui créent des sociétés avant-gardistes. Donc, je pensais à mon mari qui a créé une structure euh, vraiment 2.0, où il n'y a pas de hiérarchisation, etc. C'est une structure qui fonctionne super bien. Et on va pouvoir, parce que souvent, les gens me disent, mais Sophie, euh, en fait, comment vous faites pour partir à un an parce que, ton mari, euh, il a une société, tout ça. Euh, comment vous faites Et ben, par son agencement d'entreprise, aujourd'hui peut partir un an et, et déléguer sans problème en fait. Et c'est un, un concept vraiment euh, innovant. Et pour moi, euh, ça fera partie des entreprises de demain. Euh, c'est juste une évidence et donc euh, voilà et puis au-delà de ça donc plein de contenus différents chacun avec ce qu'on sait faire et puis apporter aussi euh, par exemple vous savez je vous parle de, de mode et eh bien euh, euh, je pensais à ça euh, euh, par exemple d'aller interroger euh, interviewer euh, Marine Vigne avec euh, euh, son associé qui euh, qui ont créé une marque où il y a toute une histoire derrière où il y a vraiment des très belles vibrations parce qu'il y a toute une histoire et un concept autour de tout ça euh, et puis, leur, euh, voilà, leur, leur, leur euh, zone de confection est à Bali. Enfin, bref. Donc, euh, pouvoir aussi amener un contenu euh, de choses. Euh, euh, on va dire pratico-pratique de la vie, euh, par exemple sur le vêtement, par rapport sur des recettes créatives. Euh, et j'ai envie d'apporter aussi un contenu très large. Ça veut dire, et moi j'ai déjà hein, les personnes, c'est des personnes qui gravitent dans mes espaces que je connais très bien. Donc c'est par exemple, ben voilà, telle personne, euh, elle sait faire de la communication animale, elle sait faire de la géobiologie. Euh, euh, L'autre, elle est hyper connectée avec le grand vivant, euh, de venir apporter chacun, en fait, sur des, des sujets vraiment euh, subtils et multidimensionnels, bah, du contenu aux personnes. Et pour moi, c'est extrêmement grand soutien parce que euh, ça permet euh, aux personnes, si le projet se fait, hein, parce qu'aujourd'hui c'est une idée et euh, ben bah, c'est pas rien comme idée, euh, parce que ça veut dire qu'on est euh, qu'on qu est un certain nombre à, à, à bosser sur ce magazine euh, et, et donc ça demande beaucoup beaucoup de, 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 de mettre des voilà de venir déposer des questions sur la table de venir déposer plein de choses et voir si ça match etc enfin il y a des projets à plusieurs et eh bien on le sait que euh, quand on est plusieurs sur un projet ben on est avec de multiples énergies il faut vraiment que ça match euh, donc là tout de suite ce matin j'ai contacté euh, Sophie euh, je lui parle du truc parce que c'était une évidence que je lui partage ça euh, et elle avec beaucoup de clarté qui, qui est venue euh, voilà déjà déposer des choses mais déjà déposer des choses auxquelles je m'étais déjà interrogée et moi je lui disais bah de toute façon pour moi euh, on fait un zoom euh, avec les différentes personnes moi à, à qui je pense euh, pour être dans le contenu euh, et pour œuvrer dans dans ce magazine en ligne et puis euh, et puis on regarde euh, les possibilités voilà mais quand j'ai eu cette idée ce matin, c'est vrai que ça aurait été il y a quelques semaines de ça, j'aurais fait. Oh, oh, mais j'étais moi très très émotive. Ça veut dire que euh, euh, je, et, et je dis pas que c'est pas bien de pas l'être. Attention, enfin d'être comme ça. Mais avant, c'est vrai que dès que j'avais moi une idée, euh, c'est vrai que j'ai été souvent euh, insufflé d'idées, mais mais je n'arrivais pas à les mettre dans la matière. Et en fait, euh, c'était euh, euh, fallait que j'en parle à la terre entière. J'étais hyper excitée. C'était ah oh, bonsoir, mais tu sais pas. Alors là, alors là, alors là, j'ai une idée, j'ai une idée. C'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. Enfin, vous voyez, vous, enfin, je veux dire, on, on le connaît tous ce truc de, de l'hyper excitation. Et ce matin, en fait, je recevais l'idée, mais j'étais dans un état intérieur de oh, je voyais le, le le truc immense et tellement puissant euh, qui qui est à l'œuvre avec ce projet, cette idée. Mais il n'y avait pas en moi, en fait, euh, les mêmes émotions qu'il y avait avant. On est dans des émotions, une fois qu'on est sur une nouvelle configuration humaine, sur des émotions, en effet, c'est ça, c'est vraiment des émotions euh, euh, qui sont plus en équilibre, en fait. Euh, non pas que ces états, parce que je me rappelle, une fois, j'avais discuté avec quelqu'un, c'était, je crois, une accompagnante, et. Et, je, et moi, j'avais partagé que. Oh, ah, mais ben oui, mais moi, j'aime bien être dans ces états de. Oh là là, de tout exciter, tout ça. Et en fait, à un moment donné, on est tellement à l'intérieur de soi, on est tellement sur un alignement intérieur, et en fait, tellement à l'intérieur de soi, parce que ces émotions-là, en fait, c'est des émotions où on est dispersé. Et du reste, souvent, vous le constaterez, <coughs> quand on est dans des états d'excitation, Pouvoir partager avec clarté et calme ce qui est en train de nous traverser, ce n'est pas possible. Parce que, parce que ça part dans tous les sens. C'est agréable à vivre. Mais, euh, en fait, euh, voilà. Donc à un moment donné, en effet, on ne vit plus les mêmes émotions. Euh, ça, c'est juste une évidence sur plein, plein de strates. Il y a plein d'émotions qui n'existent plus. Euh, ça, c'est clair. Et euh, voilà, donc là, il y a cette idée que je trouve incroyable. Euh, donc, je l'ai déjà amenée à une personne euh, qui, pour moi, euh, c'est juste une évidence qu'elle soit dans le projet. Et puis, ben, on va en rediscuter, on va certainement s'appeler. Et puis, euh, euh, pouvoir organiser un Zoom pour en parler avec les différents acteurs. Mais c'est vraiment, voilà, des... et puis, aller aussi chercher des gens qui ont des idées innovantes, des idées bah, 2.0, des idées nouvelles terres, des projets nouvelles terres, euh, et de pouvoir amener vraiment alimenter un, un magazine qui vient parler à la fois des possibilités, qui vient contribuer aux personnes qui, qui vont être appelées par ce magazine. Et ce sera un magazine en ligne parce que bah, là, du coup, on est dans une, un. un, un un panel de possibilités beaucoup plus large parce que voilà, on peut faire des podcasts, on peut faire des interviews en direct, en différé, euh, etc. On peut faire des vidéos et tout ça en format papier. Pour moi, le format papier en fait euh, devient obsolète euh, et surtout réducteur parce que ben euh, euh, il n'y a pas l'énergie derrière. Il y a des, y a des phrases, c'est écrit, mais il n'y a pas toute l'énergie de la personne et euh, en plus. Moi, ce qui est à aujourd'hui, ce qui me définit vraiment qui je suis dans tous les plans, euh, c'est vraiment la spontanéité. Donc, vous pensez bien que euh, pour moi, on me demande de, 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 de faire un magazine euh, écrit, ça marche pas. Euh, parce que, parce qu'il n'y a pas la spontanéité. Parce que c'est revu, corrigé, machin, tout ça. Et moi, ça ne matche pas avec qui je suis. Donc, Aujourd'hui, moi, je suis au plus près de, de qui je suis euh, euh, à aujourd'hui. Et euh, Sophie me disait, bah oui, mais Sophie, il faut voir aussi si ça match avec le fait, parce que tu vas partir un an, tout ça. Et c'est OK, en fait, parce que, <coughs> comme je l'ai partagé, OK, je pars un an, mais en fait, moi, ça ne s'arrête pas hein, pendant un an. Je, <laughs> tout va être comme avant, en fait. Sauf que je suis euh, en Amérique du Sud. Donc pendant un an, bah, au lieu d'être en France... Je suis dans un pays étranger, et puis avec tout ce, bon déjà tout ce qui va se passer d'ici un an, qui, qui voilà, c'est déjà que ça me dépasse à aujourd'hui. Pensez bien que dans un an, je ne sais pas où j'en serai. Et dans des des, des terres, euh, parce que nous on est on est vraiment euh, des amoureux de la nature, donc euh, on va on va on va aller à la découverte vraiment de de, de nature euh, qui pour nous nous appelle et qu'on va partager au monde puisque euh, euh, là, on l'a déjà fait avec le Sri Lanka, qui était juste un tout petit avant-goût parce que je sais très bien que, voyez, là, on va, aller, on va acheter un drone, enfin, vraiment, on va être équipé et on va pouvoir faire des trucs absolument incroyables euh, dans, dans, dans des contrées absolument incroyables. Et euh, on, on, moi, je vais le partager, euh, voilà, sur, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, euh, euh, enfin, voilà, et je ne sais pas encore tous les supports euh, qui seront disponibles et où j'en serai à ce moment-là, mais. Moi, ça ne s'arrête pas. Au contraire, ça va s'expander euh, quand on va partir, euh, parce que je vais être en plus portée par les énergies des lieux, euh, par de nouvelles choses qui vont se passer en co-création avec ces lieux, euh, par tout, tout ce, toute cette aventure, parce que c'est vraiment ça. On part à l'aventure pendant un an en famille, euh, donc ça va être des partages très riches, et euh, je continue. Moi, je continue euh, les accompagnements, je continue, euh, là, voilà, j'ai créé un, une nouvelle bibliothèque, et eh bien, voilà, il va y avoir régulièrement des volets, donc, euh, je veux dire, il n'y a rien qui s'arrête. Et puis, de toute façon, enfin, euh, vous voyez, ça, c'est un truc aussi. Vous euh... <laughs> euh, voyez, aujourd'hui, dans, dans le niveau 3 de Mario, et 4 encore aussi, on parle de retraite. Et moi, aujourd'hui, euh, en fait, tout ça, je sais que, que, que c'est des, des concepts, euh, des croyances, basé sur des peurs. Euh, tout système financier est basé sur des peurs, de toute façon, euh, qui immobilisent les gens. Et tout à l'heure, du reste, je faisais la réflexion à Arnaud, parce que euh, aujourd'hui, on, on, on est obligé de faire un crédit. Euh, Arnaud, sa société euh, est vraiment prospère, euh, mais sauf que si on prend l'argent euh, de la société, on va nous taxer à 50%. Donc on sort une somme dont on a besoin pour acheter le camping-car. Il euh, faut qu'on en sorte le double pour donner à l'État. Donc, en fait, on va aller faire un crédit pour éviter de filer 50% à l'État. Et je dis à Arnaud, mais c'est quand même un truc de dingue parce qu'aujourd'hui, on est dans un système où ben, tu fais pas ce que tu veux de ton argent. Les gens y croient que... Qu'est-ce qu'on veut de notre argent tout ça. oui, oui d'accord. Alors surtout, enfin moi je le vois d'autant plus parce que... Euh, euh, les parents d'Arnaud avaient beaucoup d'immobilier, euh, lui il en a, et quand je vois, quand je vois le bordel, et surtout quand je vois ce que, ce que ponctionnent euh, les taxes françaises euh, sur les successions, sur tout ça, oh et puis tous les, tous les, tout ce qu'il faut faire, toutes les réflexions, oui alors, vaut mieux que je te le donne là maintenant, parce que ceci, enfin je ne vous explique pas l'énergie et la charge mentale et toute cette complexité en France, à l'extérieur je ne connais pas, mais en France... Euh, au niveau de, de tout ça, bref, donc je dis, on va on va aller donner de l'argent, en fait, de toute façon, l'argent, on, on, on le paye, puisque euh, on on peut pas sortir notre argent, on va être taxé à 50%, euh, ou alors c'est un choix, hein. voilà, bah, je sors, mais je sais que je sors le double, ok, super, euh, je fais un crédit, bah, je paye mon taux de crédit, et je dis, et tu sais quoi, ce que je trouve complètement incohérent, c'est que, par contre, nous, les banques, euh, notre argent, ils travaille, donc ils se servent de notre argent, ils font de l'argent avec notre argent, mais nous, par contre, ils ne payent pas pour ça. Donc, il y a quand même un truc qui colle pas, en fait. Et, et c'est là où, on, on au fur et à mesure, on se rend compte qu'on est vraiment dans un système de, de ouf. Mais c'est OK, en fait, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça, donc c'est pas de... À aucun moment, c'est de dire euh, « Oui, c'est n'importe quoi, euh, euh, moi, c'est juste une observation. » Après, c'est « OK ». Qu'est-ce qui va être le plus fluide pour moi C'est comme je vous partage. Euh, j'ai vendu un certain nombre de, de livres et d'oracles et j'ai fait essentiellement des envois. Tout était parfait. Et puis il y a quelqu'un euh, à Montpellier, euh, donc je lui envoie. Et euh, <coughs> en fait son colis, à un moment donné, je reçois un, un mail de la poste qui me dit euh, le colis est détérioré, donc nous, nous refaisons le paquet. Et ça suivra son cours et son cheminement. Parfait. Donc je préviens la personne. Et je reçois un mail ce matin de la poste. Je ne croyais pas mes oreilles. Et euh, qui disent, votre colis euh, ne pourra être ni distribué à, à l'expéditeur et il ne vous sera pas renvoyé non plus. Et là je dis, euh, mais c'est quoi, quoi, quoi le bug en fait c'est dans quel monde envie en fait? C'est un truc de ouf! Donc, euh, j'étais, en fait, je me dis mais c'est incroyable, les mecs, ils ont un colis, ils savent à qui c'est, puisqu'ils puisqu sont en train de me dire que mon colis, euh, primo, il ira pas à son expéditeur, mais non plus à moi, le destinataire, enfin, le, 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 non, l'expéditeur, c'est moi, le destinataire, la personne. Je dis, en fait, c'est quoi ce délirium? Euh, voilà, alors, je, voilà, donc, je, et là, c'est pas compliqué. Donc ça, c est, c est, voilà, ça, on voit aussi euh, notre évolution. Moi, ça a été très clair. J'ai dit ok. Euh, là, euh, je sais plus pour combien il y en avait. Euh, <coughs> 50 balles. J'ai dit bon bah ok. Moi là, je m'assois sur les 50 balles plus les frais de port hein, que que voilà, tout ce qui est là. Je vais rembourser à personne hein, parce que ben voilà, enfin à rigueur ni, ni elle ni moi ne sommes responsables mais mais bon, ben voilà, moi, c'était juste évident, donc je vais la rembourser. Et euh, euh, genre, genre je partage ça à Arnaud, je dis, c'est quand même un truc de ouf. Euh, putain, ils, sa ils savent... Euh, ils ont un colis entre les mains. Ce colis va être... Euh, donc il y a quelqu'un, alors, il y a quelqu'un qui va avoir un cadeau d'univers, il va se avec trois oracles. Euh, magnifique. Euh, et là, c'est OK. Alors euh, oui, je pourrais entamer euh, ce qu'ils disent. Oui, euh, nous vous euh, invitons, enfin ils disent pas invitons, hein, euh, euh, nous vous conseillons euh, euh, de contacter euh, la Poste euh, pour avoir plus d'explications. Mmh. D'accord. Euh, bon, sachant que ce genre d'indemnisation, parce qu'on peut être indemnisé, c'est 6 euros. Et là, j'ai dit à Arnaud, alors tu sais quoi euh, quand je, 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 je connais parfaitement le truc. Euh, je ne perdrai ni de temps, ni d'énergie, euh, ni rien pour aller récupérer 6 euros. Euh, vraiment, c'est... Non, c'est pas OK, en fait. C'est pas du tout OK. Euh, voilà. Donc, entre-temps, il me dit, écoute, j'ai un tel à la poste et tout. Euh, je dis, ah ouais, peut-être qu'en interne, du coup, les choses pourront être différentes. Donc, euh, lundi, j'ai contacté euh, la personne en interne qui travaille à la poste. Si lui, il peut voir euh, euh, bah, ce qui est possible. Voilà. Et puis, euh, mais moi, j'ai tout de suite, en fait, lâché. Euh, c'est vrai que, ben bah, en amont avec mon ancienne construction, euh, ouais, non mais c'est quoi ce délire, mais c'est n'importe quoi, alors j'aurais été en colère, euh, machin, et puis ça se trouve se réactiver, euh, j'en sais rien, vous savez, euh, ouais, mais alors moi, du coup, euh, je m'assois sur cette somme, tout ça, blablabla. blablabla bla, bla, bla. et en fait, euh, bah non, en fait, à un moment donné, euh, euh, moi, euh, mon, mon, ma priorité, euh, c'est d'être en légèreté dans ma vie, euh, c'est d'être euh, d'être dans, dans, dans la coule cool, euh, d'être bien hein, voilà d'être bien vraiment <laughs> d'être euh, euh, ben, pourquoi j'irais entamer un truc puis la poste quoi la poste <laughs> la poste <laughs> d'où j'irais entamer euh, une procédure euh, pff, voilà quoi des fois faut savoir lâcher prise en fait parce que ce que c'est vraiment important et, et c'est ok hein, c'est propre à chacun mais vous voyez, toutes ces procédures, aujourd'hui, c'est sur quel plateau de jeu vous avez envie de jouer. Et ça reste des choix. Mais c'est vrai que selon, selon notre construction, <coughs> selon on en est, euh, ce fameux lâcher est très facile. Hein. C'est comme l'instant présent. On en discutait ce matin avec ma copine Muriel, euh, l'instant présent. C'est magnifique comme concept, c'est génial. C'est top, l'instant présent. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, euh, vivre l'instant présent, l'incarner, euh, putain, ça demande une sacrée épuration, je veux dire. Et donc, euh, euh, tout ça, ça reste des concepts, donc lâcher. Mais il y a des, des possibilités plus soutien euh, pour sortir de tout ce que ça va enclencher, euh, ces expériences, parce que c'est des expériences, dans notre quotidien, euh, qui pourrait entamer des procédures ou des machins ou des bidules et tout ça. Et comment je peux procéder différemment pour que moi, je puisse être allégée. Mais c'est des choix, en fait, c'est des choix. Et en plus, le pire, c'est que euh, moi aujourd'hui, malgré que la poste m'annonce que mon colis, il euh, y aura ni d'expéditeur, ni, ni de. Ben parce que en fait j'en ai rien à foutre et que, que je lâche que je m'en fous, eh bien il y aura peut-être d'autres possibilités qui vont qui vont arriver. Mais en effet ça demande de monter au toit terrasse euh, pour euh, avoir un autre regard. Et voyez là on, on vient de signer pour cette, ce camping-car. Donc c'est une très grosse somme, mais il n'y a aucune contraction en fait de mais tu te rends compte, et puis ci, et puis cela. Enfin, je veux dire, c est, c est, le, les, le, le, ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas rien. Mais euh, aujourd'hui, moi, je me laisse vraiment porter euh, par, par plus grand en fait. Je me laisse vraiment porter par, euh, par quelque chose qui me dépasse. Euh, et pourquoi? Parce que, ben, parce que j'ai, beaucoup cheminé et beaucoup épuré et que je suis en reconnaissance de tout ça. Reconnaissance, ça veut dire que, il je sais d'un point de vue mental que, qu'on n'est pas seul, que, on est soutenu, qu'on est guidé, machin, tout ça. Je le sais, c'est au mental. Mais pour vraiment s'en remettre, alors, on est d'accord que s'en remettre, ce n'est pas s'abandonner. Moi, le s'abandonner, ça ne matche pas euh, avec euh, aujourd'hui qui je suis parce que s'abandonner à quelque chose, ça veut dire euh, euh, je, je, quelque part, je ne choisis pas. Je m'abandonne. Ben, quoi que l'univers choisisse pour moi, euh, ben, il le choisit pour moi, donc c'est OK. Non, surtout pas. C'est pas OK. Moi, aujourd'hui, chaque, chaque jour, chaque matin, et constamment dans ma journée, je viens définir ce que j'ai envie de vivre. Donc oui, je me laisse porter dans le sens où, OK, là, là, on, 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 on va au point B qui est euh, euh, début juillet, on part pour un an. On a besoin d'un camping-car, on a besoin de faire le chipping, <laughs> on a besoin de regarder les assurances, on a besoin de faire un crédit, mais... C'est tellement dans un lâcher total, puis Arnaud, en plus, lui, il est aussi dans cette configuration. Euh, Arnaud, lui, il, quand, du reste, que je lui ai posé comme question pour sa société, euh, quand moi, j'arrivais je, 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 je pas du tout avec mon business, je lui dis, mais comment tu fais, en fait, sans déconner, tu, lui, c'est quelqu'un, il a une idée, il a un projet, il y va. Et, et moi, le nombre de fois où j'ai eu des idées, des projets, mais j'y vais pas. Parce que je n'ai pas confiance en moi, parce que je ne me reconnais pas en fait. Et il me dit Ah oh bah, je lui dis, mais tu pas de doute Il me dit Si je peux en avoir, mais en fait très rapidement, tac, je ne les laisse pas m'envahir en fait et ça dégage. Et parce que lui, il est dans cette reconnaissance de ses talents et de ses capacités, donc il y va. Et ça, bah, ça se processe aussi. Euh, et, et moi, c'est ce, ce que je suis en train de faire en ce moment. Cette reconnaissance de mes talents, de mes zones de génie, pour pouvoir euh, sortir en matière, euh, ben, un, un business, des projets, des choses comme ça. Et euh, c'est pas à prépa. Mais tout ça pour dire que, vous voyez, la, mais la facilité du camping-car, Je veux dire, aujourd'hui, si on va dans le niveau 3 de Mario, euh, c'est 5% du marché. Le mec, là, euh, son camping-car, il y en a un sur la chaîne de production, euh, les autres ils arrivent tous en juillet. C'est pas possible pour nous. Il y en a un et, euh, qui est accessible à, à 12 concessions. Donc n'importe qui à un moment donné, machin, tout ça. Mais en fait, quand on est dans la foi absolue, on sait très bien que tout va se faire en fait. Et, et, et ça va être hyper simple. Et c'est tellement simple! On vient, on vient de, 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 de valider un truc là, mais on... avec une, une, facilité déconcertante et surtout comme une évidence. C'était pas comme, c'était une évidence. Et on y va, en fait, vous voyez. Et, et, on y va. Oui, c'est une grosse somme, mais, et il n'y a aucune contraction, en fait, parce que, je sais pas comment vous dire, c'est, euh... bah, c'est tellement évident, c'est, et, mais on pourrait, c'est vrai que, euh, pour ma part, c'est parce que euh, y a une, une telle épuration que, en effet, euh, je ne fonctionne plus euh, comme les humains fonctionnent. Parce que ça aurait été il y a encore quelques temps, bah, c'était euh, des questionnements, des contractions, des doutes, des peurs, des croyances, et qui fait que bah, bien sûr, d'après dans la matière, ça se crée. Et, et, et non, en fait. Euh, moi, je, je ne fonctionne plus, en fait, comme ça. Mes mécanismes, et c'est nos mécanismes, en fait, je ne fonctionne plus. Et c'est aussi pour vous dire que ce sont nos mécanismes humains d'essence. Ça veut dire que ce que je suis en train de vivre, c'est disponible pour tout le monde. Ce n'est pas que pour certains humains. Ce que je suis en train de vivre et tous les partages que je vous fais, c'est <coughs> les configurations humaines de l'humanité qui arrivent et que de plus en plus d'humains vont vivre, parce que c'est nos essences, c'est ce que nous sommes. Ce n'est pas des, des élus. Tu es l'élu, mais pas du tout. Mon cul, quoi. <laughs> non, c'est juste les humains, la nouvelle humanité de demain. C'est ça. Ce que je vis là, ce sera la normalité de demain, pour les humains. Alors vous pensez bien qu'il y a tellement de choses qui, qui vont bouger hein, parce que euh, on, on est sur, un, un, enfin, ça, plus rien ne fonctionne comme avant en fait, plus rien, plus rien. Et puis on, on crée, se crée dans la matière des choses, euh, c'est réellement d'autres réalités en fait. Dans une, voilà, sur cette planète Terre se jouent plein de réalités différentes. Et moi c'est vraiment ce que je suis en train de vivre et c'est euh, c'est incroyable. Euh, je vous partage un truc parce que j'ai adoré. Ce matin, alors je, je programme les tirages Oracle pour le samedi matin. Et hier soir, en fait, donc, euh, je les programme la veille parce que euh, je les fais à 6h30 le matin. Ça démarre à 6h30 le matin le samedi matin. Le tirage oracle sur l'Académie des femmes lumières. Et euh, ce matin, en fait... Euh, euh, je regarde assez tard, je regarde vers euh, 13 ou 14 heures. <coughs> et en fait, j'ai pas mis les cartes. Et c'était très intéressant parce que euh, on me dit, bah oui, mais Sophie, euh, t'as pas mis les cartes, du coup, euh, je peux pas te donner les chiffres et tout. Je dis, ah mince, euh, ok, bah, je vais les mettre. Et en fait, grâce à ça, euh, c'est venu processer un truc, j'ai une idée que ah, j'ai trouvée géniale. Euh, en fait, euh, parce que j'ai répondu aux personnes qui m'ont dit ça, qui n'avaient pas les cartes et tout, qu'elles en avaient besoin. Et j'ai dit oui, c'était pour, euh, en fait, euh, euh, activer, pour vous ayez, vous, vous puissiez faire un tirage euh, sans avoir les cartes en face de vous, en fait. Pour aller au-delà euh, de votre guidance intérieure et donc de vous faire confiance. Et du coup, me suis dit, alors ça, je le fais la semaine prochaine. Donc, je vais faire une petite vidéo explicative la semaine prochaine dans l'Académie des Femmes Lumières, ou peut-être là, j'en sais rien, où je vais partager euh, que la semaine prochaine, le week-end prochain, euh, il, je ne vais pas mettre les cartes volontairement, parce que ça, c'est une, une magnifique croyance aussi. Alors, c'est très joli le dos des cartes, hein, des, des cartes oracles, C'est vrai c'est joli. Puis, il y a le numéro 1, 2, 3, 4. Mais ça va être pour venir challenger les personnes du groupe et qu'elles aillent se connecter directement aux cartes, ça veut dire, OK, euh, quel chiffre, euh, quel chiffre va être la meilleure contribution pour moi, euh, quelle carte euh, j'ai besoin d'une guidance, quelle carte sera, sera la meilleure pour moi par rapport à la guidance dont j'ai besoin, hein, et pour qu'elles puissent aller plus loin et avoir confiance que bah, on n'a pas besoin voilà, d'aller au-delà de, de, des habitudes. Hein. Moi, j'ai commencé le tirage oracle sur l'Académie des Femmes-Lumières en décembre 2019. Euh, donc autant dire que... Euh, ah ouais, donc 2019, euh, ça fera presque trois ans. Euh, en 2019, waouh J'ai commencé en 2019 Non. Ça me paraît... Euh, bah je sais plus, vous voyez, l'Académie des Femmes-Lumières, quand est-ce que je l'ai commencé Non, ah non, non, c'est pas 2019, c'est 2021. Oui, parce que 2019, en fait, c'est grâce à Sophie Andlauer, elle avait regardé dans mes espaces les trucs qui matured. Euh, et en fait, donc c'est grâce à elle et c'est en 2021 que j'étais en accompagnement avec elle. Euh, et du coup, je l'ai créé en 2021. Donc ça fera deux ans mois de décembre. Donc deux ans, un an et demi maintenant, presque deux ans que je fais le tirage au rack. Et maintenant, on va changer la donne pour au moins ce week-end, euh, pour venir challenger les personnes et pour leur montrer que euh, bah qu'elles peuvent avoir confiance et qu'il n'y a pas forcément besoin, et puis surtout sortir des zones de confort, sortir des habitudes, euh, et qu'il et qu y a, y a d'autres possibilités et, et, que, et que ça marche en fait, que ça marche. Voilà, mais c'est vrai que si on reste toujours à faire toujours les mêmes choses, eh ben on ne découvre pas d'autres choses et on, bah on, on évolue moins, on n'avance on, on pas forcément. Euh, euh, et oui, on a besoin de de sortir, de se challenger un petit peu en respect de soi, bien évidemment, de, de, de sortir de sa zone de confort, de ses habitudes, d'essayer de nouvelles choses pour voir ce qui est ok, ce qui ne l'est pas. Et toujours, bah oui, essayer de ressentir. Mais là, d'aller de, de, connecter une carte qui est qui est la carte ou pas, <coughs> ça change rien. Donc, je vais venir challenger euh, les licornes de l'Académie des Femmes Lumières. Voilà. Euh, donc j'ai trouvé j'ai trouvé ça génial. J'ai dit oh, mais c'est super, j'adore. Euh, voilà, euh, un cran de plus vers euh, aller faire plus de confiance dans nos réceptions, dans nos dans, dans notre guidance euh, intérieure et et, et que c'est ok. Euh, voilà pour les partages. Est-ce que j'avais autre chose euh, ben non, je vous ai tout partagé. Euh, je vous ai tout partagé pour aujourd'hui de ce que je voulais vous partager. Euh, vous retrouvez. Euh, je vous ai fait des stories sur Instagram donc par rapport à, à cette idée qu'il y a eu ce matin. Voilà, on verra. C'est là. C'est disponible. Et puis, euh, ben on va voir si les choses peuvent prendre forme. Parce que c'est vrai que faire des co-créations euh, quand on est plusieurs, c'est surtout l'aspect financier. Comment on monte une structure quand on est plusieurs. Euh, voilà, mais bon. Euh, euh, j'ai confiance euh, et puis et voilà donc ça peut être quelque chose de de dans, dans cette année ou peut-être dans un an dans deux ans dans trois ans j'en sais rien euh, mais en tout cas c'est quelque chose qui me semble très avant gardiste euh, et, et qui n'existe pas surtout euh, et avec des personnes surtout 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 ça euh, qui comme par hasard sont dans mes espaces euh, et qui est une évidence hein, on se fait toujours accompagner par des personnes qui sont euh, euh, en mesure de nous accompagner de là où on en est donc forcément ben moi qui suis sur une configuration une nouvelle configuration humaine il euh, n'y a pas grand monde à aujourd'hui euh, euh, qui peut m'amener plus loin donc euh, et ces personnes là et eh ben euh, de pouvoir euh, les, les inclure dans ce projet euh, euh, parce qu'elles sont sur des nouvelles configurations humaines euh, et même sans je veux dire sur les euh, c'est pour ça aussi que je, je, je trouve ça génial cette idée c'est parce que les personnes si on fait le truc c'est que en effet, les personnes qui vont créer du contenu et qui, qui vont être comme un, voilà, un magazine, euh, voilà, on a chacun des rôles différents et des talents et des zones de génie différentes, euh, des zones de compétences différentes. il euh, y, y a une structure, euh, on va dire, euh, fixe. et puis, euh, et puis ben, sur des interviews, ben, voilà, on vient interviewer des personnes. Euh, euh, où on trouve, voilà, elle a une idée euh, vraiment, oh, c'est une idée géniale, une idée euh, nouvelle terre, euh, où on sent que là, waouh, wow, les vibrations de ce qui est créé euh, sont tellement intenses, euh, euh, on vient mettre ça en avant, vous euh, euh, voyez, moi je pense vraiment, à, par exemple, à, ouais, à Marine Vigne avec sa, sa marque Love and Dead Die, euh, où il y a toute une histoire derrière, et qui du coup, c'est leur fringue est emprunt de l'énergie de ces deux minettes, euh, de l'énergie de Bali, de, 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 de l'histoire qui a autour des fringues. Euh, et, et, et ça, c'est pour tout, en fait. Et c'est de pouvoir amener cette conscience aussi euh, de, 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 de tout ça. Et c'est marrant parce que je tombe sur des marques euh, aujourd'hui qui, qui ont des histoires et qui, en effet, ce n'est pas à faire du volume, du volume, du volume. Euh, mais qui sont sur une histoire voilà on, 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 on crée quelque chose à partir d'une histoire et, et en effet le, pour moi la nouvelle terre euh, ça va vraiment être ça il euh, y aura plus de toute façon de gros volumes il y aura plus de multinationales tout ça n'existera plus puisque tout ça c'est c'est sur euh, de l'ego sur du pouvoir sur du business euh, mais un business financier. Euh, de, de relié au pouvoir et, et, et tout ce qu'il y a derrière ce, ce financier. Non, euh, la nouvelle Terre, la nouvelle humanité, c'est vraiment je viens, euh, je, 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 je sais quels sont mes talents, je sais quelles sont mes zones de génie, euh, je sais ce qui me fait vraiment kiffer, je, sais, je connais mes compétences et à partir de là, euh, je viens créer quelque chose à partir de ça et du coup, bah, plus rien ne fonctionne. Comme ça fonctionne aujourd'hui, et on n'est plus là à, à faire un job pour payer des factures, pour survivre euh, ou à courir, etc. Euh, et on ne vit plus du tout de la même façon. Donc la nouvelle terre, enfin moi aujourd'hui pour vivre ce que je suis en train de vivre, euh, je suis dans l'évidence de, de ce qui va se passer en fait, euh, de, de vraiment là où on va. Et, et, et qu'il y a tellement pas d'inquiétude à se faire, en fait. Il y a tellement pas d'inquiétude. Et puis, de toute façon, je vais vous dire à un moment donné, c'est que, on, on n'est plus, en fait, euh, on n'est plus dans cette réalité du niveau 3 de Mario, du niveau 4. Euh, on est en train, on crée une nouvelle réalité, on vit une nouvelle réalité. Euh, parce que la nouvelle Terre, elle est déjà là, hein. C'est pas, c'est pas quelque chose demain, elle est déjà là. Euh, et l'objectif, c'est de pouvoir le vivre, euh, et c'est pour ça aussi que je crée ces volets euh, et, et, et aujourd'hui moi c'est mon objectif aussi c'est euh, c'est pas dans dans dix ans dans cinq ans euh, aujourd'hui euh, les personnes qui rentrent dans mes espaces c'est pour leur donner des, des je leur partage des, des outils transformationnels pour maintenant euh, pas pour dans cinq ans ça m'intéresse pas c'est tout de suite maintenant pour se soutenir et pour pouvoir faire bouger les structures pour pouvoir vivre un quotidien en légèreté, en confort, etc. Euh, voilà, et, et, et c'est à partir bah, d'un autre regard, d'un autre regard. Euh, voilà, au-delà de « faut que je me focus sur cette blessure, faut que je me focus sur ça, ce, ça, ce, ça, ce, ça euh, », il y a tellement d'autres possibilités euh, qui nous font sortir de ces boucles, euh, parce que ça reste des boucles, et moi je, je, je peux d'autant plus en parler parce que je, je suis passée par toutes ces étapes de, de de guérison et du coup je, je vois bien dans quoi ça m'avait embarqué euh, d'aller visiter telle blessure d'aller visiter tel machin d'aller regarder machin et on tourne en boucle et puis ben ah bah ben, il n'y a pas de de transformation réelle et euh, moi ça je l'ai vécu ben euh, moi, ma réelle transformation ben, c'est euh, c'est quand euh, euh, je suis allée euh, à la rencontre des parts de moi de mes parts multidimensionnelles euh, euh, et que euh, je suis venue me soutenir à chaque instant à partir d'un nouveau regard, <coughs> euh, mais qui n'était plus à <coughs> euh, et c'était vraiment sortir de la souffrance aussi, sortir de cette souffrance, et les boucles entraînent la souffrance. Euh <coughs> Donc c'est la configuration humaine <coughs> telle qu'elle était euh, pour la vivre autrement, mais pas, euh, pas, euh, pas d'entre pas moi pouvoir vivre quelque chose, je suis pas en train de vous dire on vit une configuration humaine comme ça tout de suite, pas du tout. C'est juste OK, comment tu peux te soutenir tout seul en autonomie tout de suite. Euh, voilà, parce que ben bah, on vit chacun des étapes différentes, on vit chacun des process différents, on, on vit chacun <coughs> des 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 métamorphoses différentes. Et OK, quand tu es en train de vivre ça ou ça, déjà qu'est-ce comment qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu as envie de vivre euh, et c'est stack, c'est style d'Ariane. Et comment, comment, quand il y a des trucs où là tu sens que tu es en donne, okay, comment, comment tu remontes Comment tu te soutiens euh, Comment tu es en autonomie avec toi-même Et ça, pour moi, c'est essentiel. Euh, et surtout, c'est possible. Au-delà de l'essentiel, c'est possible. Euh, sinon, je ne déploierai jamais tout ça et je ne suis pas toute seule à le faire. Euh, voilà, de, de, de sortir des. de, de galérer, là. Euh, comme un débile, euh, parce qu'on est sur ce chemin. Non, 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 pas du tout. Il y a tellement d'autres possibilités. Euh, et de pouvoir processer sans pisser le sang. Voilà euh, pour le partage du jour. Très belle soirée à tous et je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Carré de Voyage soir. Bye